On souhaite d'ailleurs bon anniversaire à Sacha qui a 21 ans. Voilà. Voilà, un gros bisou. Et Candice Didier, on lui fait aussi un gros bisou. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain, je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter contre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés. Et la joie que l'a poussé par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Edith Piaf, auparavant on avait écouté Mika Lollipop. Les choix musicaux, c'est pas évident. Mais écoutez, les choix musicaux, ça dépend. Quand c'est spectacle, c'est plus facile parce qu'effectivement, là, ça n'a pas un impact direct sur le jugement. Donc c'est le jugement, c'est le public. Le public est toujours fervent, adore les patineurs et quoi qu'il advienne, sont toujours là à les applaudir. Donc c'est vrai qu'on prend des musiques entraînantes sur lesquelles on se sent bien. Les choix musicaux dans les compétitions, c'est plus difficile. Et aujourd'hui, ça a un petit peu moins d'importance parce qu'on a noté que le patinage devient quand même standardisé, qu'on a un nombre de points, et c'est vrai que le choix de la musique importe peu. C'est dommage. Voilà. Moi, je trouve que c'est dommage parce que fut un temps, on avait des programmes très créatifs. On se levait, je voyais la salle debout. Maintenant, les standing ovations, c'est uniquement pour les, on va dire, pour les programmes hors normes. L'athlète a tout réussi, alors qu'avant, on avait, je me souviens, les Duchesnay, les patineurs comme Robin Cousins, comme Toller Cranston, ou encore tout récemment, comme Philippe Candeloro. Et ben, on était debout parce qu'on était. Qui fait sa tournée d'adieu et ton salut. Voilà. Et on était complètement enivrés, captivés par ces programmes qui apportaient quelque chose aujourd'hui.